Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire en direct et enregistré, organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com. Et je suis ravie de vous retrouver en présence de Jean-Luc Stanislas. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir chère Nada, merci infiniment. Bonsoir à tous, bonsoir à nos deux excellents orateurs et intervenants qui vont animer donc ce programme de cette soirée que Nada va présenter. Donc merci à tous d'être présents en tous les cas pour ce nouvel événement consacré aux perspectives des acteurs publics et privés du territoire. Voilà, donc vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre puisque nous avons plus de 2600 abonnés sur la plateforme, en tout cas sur la chaîne YouTube Manager Santé en partenariat avec l'ESCP Europe. Donc merci infiniment pour cette nouvelle thématique qui promet d'être passionnante. Voilà, donc Nada, je te laisse reprendre la main pour la présentation de nos deux invités de choix. Absolument, merci beaucoup cher Jean-Luc. Je remercie également Bisense, la plateforme de référence en veille sur la e-santé qui soutient cet événement de ce soir. Je remercie chaleureusement l'ensemble des participants qui se connectent et qui nous suivent depuis la France et de l'étranger, qu'ils soient ce soir institutionnels, managers, professionnels de santé, pour parler du Ségur financement, une analyse qui sera proposée par nos deux invités du jour, qui connaissent extrêmement bien le terrain de par leur expérience. Et sans plus tarder, je suis ravie d'accueillir ce soir M. Karim Amri, qui est directeur d'hôpital depuis plus de 17 ans, aussi bien en métropole qu'en Outre-mer. Il a plusieurs publications à son actif. Et Karim, vous avez dédié votre expertise à l'intérêt général et au service public. Bonsoir Karim et merci de votre disponibilité. Bonsoir Nada, bonsoir Monsieur Stanislas, très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup. Ravi également d'accueillir Monsieur Bertrand Sommier, qui est secrétaire général de la Fédération hospitalière privée depuis octobre 2019. Vous avez un profil à la fois juridique et managérial, puisque vous avez dirigé un établissement de santé, puis dirigé le groupe coopératif Santé Cité, et pendant plus de 17 ans, exercé au sein d'un cabinet d'avocats spécialisé en santé. Bertrand, bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir Nada, bonsoir Monsieur Stanislas, bonsoir à tous. Écoutez, je suis également ravi d'être avec vous ce soir pour évoquer un sujet d'actualité, on ne peut plus d'actualité, même si vous le verrez, étant d'actualité, l'ensemble des éléments ne sont pas encore dans leur déclinaison totale, mais on est ravi de pouvoir échanger effectivement sur le sujet ensemble. Merci infiniment, c'est bon. Nada, tu souhaites apporter d'autres éléments complémentaires ou est-ce qu'on démarre d'emblée sur le premier sujet ? C'est bon ? Ok, eh bien écoutez, merci, merci infiniment. Donc voilà, donc nous avons de nombreux participants qui sont présents ce soir donc sur cette thématique dont je rappelle le titre, hein, donc quelle perspective pour les acteurs publics et privés du territoire dans le contexte du Ségur de la santé. Donc on va beaucoup parler de la question des investissements en matière de santé et pour cela donc nous avons fait le choix délibéré finalement de solliciter deux experts en capacité de pouvoir rendre accessible, je dirais, la compréhension des mécanismes complexes concernant donc la question des investissements. Et c'est la raison pour laquelle donc nous allons aborder en fait trois grandes thématiques qui vont rythmer donc ce webinaire pour ce soir. Et sans plus tarder, nous allons aborder donc le premier thème qui concerne donc les déterminants et les considérations concernant le plan de relance du Ségur de la santé, avec deux points, je dirais, d'éclairage qui seront apportés par nos deux experts. Donc, le premier concernant le point de situation de l'investissement dans les établissements de santé, en prenant, je dirais, une attention toute particulière sur les spécificités de l'investissement entre le secteur public et le secteur privé. Et pour lancer un petit peu le débat, encore une fois, dans une approche à la fois synthétique, mais tout à fait explicite, eh bien, nous allons proposer donc à Karim Amri, donc bonjour à nouveau et merci de votre précieuse participation. Je rappelle que vous êtes directeur général du siège de Guéret et de Bourganeuf et de l'EHPAD de Royères de Vassivière. Et donc, vous allez pouvoir nous donner un premier éclairage de votre point de vue sur cette première question concernant les déterminants et considérants du plan de Ségur de la santé. Alors,
Qu'est-ce que vous pourriez nous apporter en termes, je dirais, d'informations pour apporter une lecture globale auprès de nos participants sur ce sujet? C'est à vous, cher Karim. Allez-y. Merci infiniment de me donner la parole. La première chose que j'ai envie de vous dire consiste à faire un tout petit peu d'histoire sur le pourquoi de ce Ségur. Il faut savoir que le Ségur investissement fait suite justement aux échanges et aux critiques, entre guillemets, qui ont eu lieu l'été passé en pleine crise Covid pour faire état de deux choses. La première, c'est d'une certaine forme de paupérisation des outils de production de santé, notamment pour le public. On va le voir, il y a une chute assez vertigineuse depuis une dizaine d'années sur l'investissement dans les hôpitaux et qui s'explique de par un contexte, j'allais dire, de réforme de l'investissement public avec toute une mécanique qui a été mise en place par les pouvoirs publics qui a consisté à contrôler ces investissements et sous l'égide d'un organe qui s'appelait, parce qu'il a pris fin, le COPERMO, le Comité de modernisation et de performance. Donc ce COPERMO a été, entre guillemets, une vraie machine à revoir tous les projets d'investissement, tant sur leur capacitaire que sur leur financement, dans des logiques, effectivement, qu'il faut reconnaître d'efficience. Mais la conclusion, c'est qu'on est passé d'à peu près hein, d'un investissement évalué à peu près 10 milliards d'euros il y a une dizaine d'années à 3 milliards d'euros. D'ailleurs, la circulaire du 10 mars dernier, qui a posé, et on va en parler tout au long de la soirée, les nouveaux fondamentaux de l'investissement de santé hein, territorial, a rappelé dans la circulaire que l'ancienne formule, les anciens, on va dire, paradigmes de ce dispositif investissement santé étaient trop isolés par structure, n'avaient pas de vision transversale, étaient trop centrés sur les capacités budgétaires, financières, marge brute, on va parler, capacité d'autofinancement, et également n'avaient, entre guillemets, négligé l'investissement courant. D'ailleurs, sur cet investissement courant, il ne faut pas oublier que lors de la seconde vague, ce point était tellement important que les pouvoirs publics ont été amenés à financer certains matériels dits de réanimation, hein, pour armer des lits de réanimation, rappelez-vous, en sus de capacités hospitalières classiques, justement, pour aider ces structures qui avaient du mal à investir et pour pouvoir leur donner des possibilités d'investissement supérieur. Alors, je tiens aussi à dire que cet investissement, ce plan, hein, on va en parler de façon beaucoup plus détaillée par la suite, dépasse la simple strate des structures de santé. C'est un vrai plan de relance au niveau national qui consiste aussi à tenir compte d'une vraie réalité. Et la réalité, c'est que les hôpitaux, d'ailleurs toutes les structures de santé, sont des vrais poumons et des vrais moteurs dans le tissu économique national. J'en veux pour preuve les différentes études qui ont été publiées, j'allais dire, sur certains territoires, mais celle qui est la plus connue, je pense que c'est celle du groupement des CHU du Grand Ouest, hein, qui inclut Brest, Nantes, Angers, Tours, etc. Vous donne un ordre d'idée, cette étude démontre objectivement que l'ensemble de ces budgets, il faut bien le comprendre, hein, l'ensemble de ces budgets hospitaliers, c'est à peu près 3,4 milliards. Eh bien, la conséquence de ce fonctionnement sur les territoires Grand Ouest, qui associe trois régions, hein, Bretagne, Centre et Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire, pardon, c'est 7,4 milliards de retombées. Donc, ça équivaut à peu près à 43 000 équivalents temps plein. Donc, paupériser l'investissement hospitalier, c'est quelque part impacter le tissu économique et social de notre pays. Donc, il est important, et c'est ce qui a été fait, il est important effectivement d'en tenir compte pour pouvoir remettre la machine dans un fonctionnement, on va dire, dit plus vertueux. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation synthétique qui était nécessaire évidemment pour apporter déjà un premier cadrage, je dirais, des enjeux actuels et de la stratégie finalement des opérations de financement, en tous les cas sous l'angle des établissements publics de santé. Alors pour prolonger la réflexion avant de donner
la parole à Bertrand Sommier pour apporter justement son regard évidemment du secteur privé. Est-ce que vous souhaitez peut-être préciser certains éléments à partir d'une illustration visuelle ou est-ce que vous souhaitez, voilà, et auquel cas on pourrait donner, je dirais, une espèce de traduction très très concrète pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors, je rappelle simplement à nos deux invités que nous avons des intervenants qui souhaiteraient s'exprimer d'ailleurs en troisième partie de ce webinaire. Donc, nous allons, voilà, vous proposer donc, voilà, Karim, voilà, d'illustrer un petit peu votre présentation à travers cette illustration. Je vous donne tout de suite la parole. Allez-y. Bah, écoutez, merci Monsieur Stanislas de me donner la possibilité d'illustrer par un graphique assez parlant ce que je viens d'évoquer, à savoir le graphique 2, hein, à droite surtout, hein, l'évolution de l'effort d'investissement dans les hôpitaux. On voit bien que à partir de 2009-2008, hein, on va en parler, mais l'investissement des hôpitaux chute pour passer de pratiquement de 11 milliards à peine 3 milliards. D'ailleurs, ces éléments ont été rappelés dans le circulaire du Premier ministre, hein. Il faut aussi le souligner, le Ségur investissement a abouti en matière d'investissement, non pas son circulaire ministre de la Santé, mais bien sûr Premier ministre. Donc, qui veut dire que c'est très fort en matière d'engagement, et on va le voir aussi pourquoi, parce que derrière, il y a des enjeux territoriaux d'organisation de l'offre de soins sur les territoires, mais c'est quand même important parce que vu les masses financières, nous sommes sur pratiquement un plan Marshall pour effectivement résoudre une crise qui prenait effectivement des allures un peu dramatiques. Alors, il faut rappeler que juste un peu avant, il y avait eu plan hôpital 2007, et là on était sur 6,5 milliards, et plan hôpital 2012, numérique, ce qui explique un peu le côté ascendant juste avant la courbe. Donc je voulais vous dire surtout que ces plans sont très importants pour les hôpitaux parce qu'ils permettent effectivement d'accompagner toute une trajectoire de modernisation de l'appareil d'offre de soins, tout en participant effectivement au tissu économique et social de notre pays, et bien sûr l'emploi, etc. Donc effectivement, l'investissement, il ne faut pas le voir que sur un angle purement financier, il faut le voir sur un angle vraiment, hein, multifactoriel pour lequel j'aurais tendance à dire qu'il constitue à ce jour une pierre angulaire de l'économie de notre pays. Merci beaucoup, cher Karim. Alors, donc, nous allons proposer à Bertrand Sommier donc d'apporter sa lecture. Je rappelle que Bertrand Sommier donc, est secrétaire général de la Fédération de l'hospitalisation privée. Donc, on va rester un petit peu sur ce graphique des déterminants du plan de relance de la santé concernant l'effort de l'investissement des établissements, enfin des cliniques privées. Écoutez, Bertrand, est-ce que vous souhaitez apporter, je dirais, votre lecture, en tous les cas, sur les premiers éléments qui ont été évoqués par Karim et puis surtout le regard du secteur privé, donc sur le prisme de la question des investissements? C'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Stanislas. Écoutez, je crois que je vais ne surprendre personne pour dire que je ne peux que souscrire à ce que vient de dire Karim Emri sur le sujet. Si vous permettez, je le reprendrai sous quatre angles très synthétiques. Hein. Rassurez-vous, Monsieur Stanislas, je vais la faire effectivement courte en espérant effectivement d'apporter des éléments qui peuvent être attendus. Le premier élément, dans l'élément de contexte, hein, il faut rappeler que, qui est quand même un élément que parfois nous oublions pour avoir testé ça assez régulièrement dans mon entourage, c'est-à-dire sur des gens qui ne sont pas avertis sur le sujet de la santé. Nos établissements, hein, qu'ils soient publics comme privés, sont financés par l'assurance maladie, accessoirement, à savoir que, y compris côté privé, hein, c'est plus de 90% de nos produits, de sorte qu'on est sur un secteur qui, par définition, est régulé. Il est régulé tant du côté de son côté financier, hein, par effectivement une campagne tarifaire qui chaque année vient allouer les moyens à nos établissements, quel que soit leur statut, mais régulé également au titre de leurs activités via les autorisations et la planification sanitaire qui peut exister sur les territoires. Ce contexte-là, il s'inscrit par ailleurs dans une loi de finances annuelle qui vient poser le montant de l'ONDAM, hein, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui a, il faut le reconnaître jusqu'à maintenant, je dis jusqu'à maintenant parce que les travaux en cours ont lieu aujourd'hui, notamment dans le giron de l'HCAM. L'ONDAM aujourd'hui a toujours eu une logique très comptable et financière,
qui notamment peut avoir des explications diverses et variées, hein, certes de comptes publics, mais également des process européens, qui fait qu'on a eu une gestion plutôt, on va dire d'efficience, si je vais retenir un terme très positif, en réalité une vraie contrainte comptable qui a pesé sur l'établissement, qui a conduit à la situation qui est la nôtre, en tout cas celle qui était la nôtre à l'entrée de la crise, où nous avions des établissements qui étaient fortement impactés financièrement avec des structures financières qui pouvaient aujourd'hui, enfin, qui pouvaient poser des difficultés, notamment sur l'investissement, puisque c'était effectivement l'investissement qui forcément venait à servir de variable d'ajustement. Et on voit bien l'atterrissage qui est collectivement le nôtre, hein, sur les deux graphiques que vous avez, c'est relativement. Je crois qu'on peut avoir une lecture assez facile de ces deux graphiques-là. Hein. Retenez effectivement les pourcentages en chiffre d'affaires, hein, c'est-à-dire qu'on a 4,2 et 4,6, hein, pour les deux secteurs, qu'ils soient privés ou publics, qui a conduit en entrée de crise, effectivement, à des situations où on s'est rendu compte que l'événement exceptionnel qui était celui de la crise Covid, eh bien, le système hospitalier s'est trouvé fortement affecté par ce déficit d'investissement. Je remarquais quand même que ce fameux système hospitalier a tenu. Hein, ça, je voudrais saluer quand même les équipes de terrain sur cette période-là, parce que, rappelez-vous, en mars ou avril l'année dernière, nous étions effectivement dans cette questionnement sur notre système de santé. Il a tenu, et je veux le saluer, que ce soit côté effectivement public ou privé. Donc, ce contexte d'ONDAM, hein, qui est effectivement une contrainte budgétaire. Le deuxième point, c'est le Ségur. Donc, le Ségur qui intervient en sortie de cette première vague Covid, un petit peu comme un révélateur qu'il fallait changer certainement les choses. Et on y reviendra certainement ultérieurement, mais de dire que ce Ségur a eu vocation à poser le principe que ce système de santé devait être dessiné au plus près des besoins des populations et des territoires, et donc avoir un décloisonnement de l'ensemble de son dispositif, qu'il soit sanitaire, médico-social, social, acteur de ville. Et également sur les parties prenantes, que ce soit effectivement le pouvoir régalien, les collectivités territoriales et les usagers, il fallait redessiner effectivement à la fois le modèle et à la fois sa gouvernance. On y reviendra dans la troisième partie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a eu une démarche dans le Ségur qui n'est plus hospitalo-centrée. Quand je dis hospitalo-centrée, je ne vise pas que l'hôpital public, puisque en fait nous avons sur les deux secteurs. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est ce que rappelait Karim Amri, qui est très très important. Par ce vecteur ONDAM que j'évoquais tout à l'heure, le secteur de la santé est exclusivement appréhendé sous un focus de charge. C'est-à-dire que c'est un poids porté par la société dans le cadre effectivement d'une solidarité nationale. Ça, je crois qu'il faut casser cette croyance-là. Comme l'a rappelé tout à l'heure Karim Amri, il y a eu effectivement deux grandes études qui ont été portées effectivement par deux groupes, j'allais dire hospitaliers. Je ne sais pas comment il faut les nommer, Karim, je suis désolé, mais effectivement, il y a eu en Bretagne, il y a eu aussi dans les Hauts-de-France, qui sont arrivés à des conclusions identiques. En gros, si je veux schématiser, hein, c'est 1 € investi dans la santé, c'est 2 € de retombée en local. Donc, on est dans un rapport quasiment de 1 pour 2. Et ça veut dire quoi concrètement? C'est que, et d'ailleurs, le gouvernement ne s'y est pas trompé, c'est qu'en réinvestissant dans le système hospitalier, en réinvestissement, en apportant les investissements pour la mutation du service hospitalier, public comme privé, eh bien finalement, on participait par nature, par construction, à l'effort de relance. D'accord, parfait. Et le quatrième point que vous souhaitiez peut-être. Bah, le quatrième point, en fait, je l'ai incidemment traité, qui était effectivement sur cet effort d'investissement qui aujourd'hui est critique, puisque. C'est-à-dire que le taux d'investissement que nous avions en entrée de crise, c'était globalement celui qui nous était juste nécessaire pour renouveler nos investissements courants. Renouveler. Dans une période où la technologie foisonne, où les techniques médicales, les prises en charge ont évolué, où les parcours ont évolué, vous comprenez bien qu'effectivement, l'équation, elle était intenable. Elle était intenable très court terme. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que les fameux 4,2 ou 4,6 qui sont évoqués dans les deux graphiques aujourd'hui ne permettent pas aux structures hospitalières de retrouver l'investissement qui leur est nécessaire pour engager la restructuration du système de santé. Et là, je dis volontairement le système de santé pour dépasser le carcan hospitalier. D'accord. Alors, nous avons déjà quelques remarques, hein, qui ont été proposées par nos
par les participants qui sont présents ce soir, notamment sur l'opération donc d'investissement financier pour les différents plans, hein, plan hôpital 2007, plan hôpital 2012. On y reviendra peut-être dans un troisième temps au niveau du débat. Ce que je vous propose, c'est du coup donc d'envisager donc le deuxième point, en tout cas la deuxième partie de ce webinaire, qui est consacré justement à la mise en œuvre du plan d'investissement. Et donc du coup, écoutez, Bertrand Sommier, donc vous restez avec nous pour nous donner un petit peu donc la vision que vous avez de cette réalité, avec encore une fois votre approche extrêmement, je dirais, didactique, pour que tout le monde puisse bien comprendre un petit peu les enjeux actuels. Alors voilà, donc on vous donne la parole pour que vous puissiez donner votre lecture. Allez-y. Ce que je vais vous proposer, c'est peut-être d'évoquer ou de montrer de quoi parle-t-on. Hein, peut-être qu'effectivement, on va peut-être vous présenter un schéma qui est relativement parlant. Et une fois effectivement qu'on aura évoqué un petit peu ce périmètre de quoi parle-t-on quand on évoque le plan de relance et le Ségur, on apprendra peut-être, enfin, dans un second temps, la gouvernance qui est attachée et les enjeux qui sont portés. Le gouvernement, effectivement, on communique sur un accompagnement de 19 milliards. Nous, si vous le permettez, on va faire un focus sur les 15 milliards 5 qui vous sont proposés à l'écran. Hein, le différentiel, c'est les 2 milliards sur le numérique, mais on peut effectivement les évoquer, hein, puisque là, c'est un plan historique, hein, jamais connu et qui est pour nous une vraie opportunité de transformer le système de santé, et notamment de remettre le patient au cœur du dispositif. Vous savez, je souris parce que Karim Ramri partagera certainement mon sentiment, mais depuis que j'ai commencé dans la profession, je n'ai pas connu un plan ou un programme ou une planification qui ne cessait de dire dans ses premiers mots qu'il fallait remettre le patient au cœur du dispositif. Bon, à force de répéter, ça ne doit pas être aussi évident que ça. Mais force est de constater que là, pour le coup, sur le numérique, la technique, en tout cas la démarche qui est proposée, et on ne peut plus tourner vers le patient, notamment avec mon espace santé, hein, qui est appelé à se généraliser à partir du 1er janvier 2022. Bon. Donc, cet aparté étant fait, je vous propose effectivement de nous consacrer là, sur les fameux 15,5 milliards d'euros, qui sont… alors, pardon, encore une petite aparté avant d'y arriver. On parle souvent de manière un petit peu erronée, Ségur, plan de relance, comme des choses un peu identiques. Alors, juste peut-être placer les choses, hein, le Ségur de la santé, c'est 6 milliards d'euros, et ces 6 milliards d'euros sont venus abonder, effectivement, ou en tout cas être intégrés dans le plan de relance qui s'est dessiné un peu après par le Premier ministre. Donc, raison pour laquelle vous allez souvent entendre parfois parler de plan de relance, parfois de plan de Ségur et d'investissement Ségur. Sachez que l'un est une composante de l'autre. En tout cas, l'un a été intégré dans le plan de relance. Je précise ça parce que fondamentalement, dans ces 15,5 milliards d'euros qui vont constituer le socle de notre échange du jour, on a fondamentalement, en fait, deux choses très différentes. On a ce qu'on a appelé, effectivement, classiquement et originellement par la loi de finances, ce qu'on a appelé la reprise de dette des hôpitaux publics et des établissements participant au service public hospitalier. Et puis, de l'autre côté, on a effectivement la composante issue du Ségur en tant que telle, pour le coup. Et donc, cet ensemble a été réintégré dans un dispositif plus large qui a été repris dans le cadre du plan de relance, finalement pour redonner du sens, et notamment pour reprendre un sens qui soit un sens productif au sens du plan de relance. C'est relativement important, ces deux articulations, parce qu'elles n'ont pas les mêmes finalités, bien sûr. Vous aurez compris qu'elles ne touchent pas non plus les mêmes acteurs, hein, puisqu'on est d'un côté sur une reprise de dette dite SPH, donc service public hospitalier, et de l'autre qui est effectivement plus transverse au titre de l'ensemble des acteurs pour la partie Ségur. Pas le même vecteur notamment non plus de financement, puisque le côté Ségur, les 2,5 milliards qui vous sont présentés, sont portés par ce qu'on appelle le FMIS, hein, le fonds de l'investissement en santé, et qui est derrière abondé par des fonds européens, donc avec la spécificité du fonds européen. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une contractualisation qui est à organiser au niveau de l'Europe et effectivement d'identifier la nature des fonds, puisqu'il y a tout un… Je vais passer la technique juridique attachée à ça, mais qui est relativement contraignante. Et puis, de l'autre côté, vous avez ce financement par voie CADES,
par cette caisse, effectivement, à qui on a donné la mission de pouvoir porter cette reprise de dette qui, en réalité, n'est pas complètement et qu'une reprise de dette. Bon, vous avez une partie, mais Karim, je m'autorise, hein, pardon, d'aller sur ce segment-là. Bien évidemment, tout correctif ou amendement sera bienvenu. Mais en fait, cette reprise de dette, elle a été articulée un petit peu différemment que celle qu'elle avait pu être envisagée dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on lui a affecté effectivement une partie qui était vraiment une approche purement financière, j'allais dire, si on veut schématiser, effectivement, sur la reprise de dette stricto sensu, mais pour une autre moitié qui va être utilisée dans le cadre d'une transformation de l'offre de soins, hein, pour reprendre la sémantique utilisée. Donc, on voit bien effectivement la dynamique qui est proposée effectivement par cette reprise de dette qui, en réalité, n'est pas qu'une reprise de dette. Côté Ségur, donc les fameux 2,5 milliards, vous avez fondamentalement deux grandes enveloppes. Celle de 1,5 milliard qui va être dédiée à ce qu'on appelle l'investissement courant, hein, qui va s'étaler sur 5 ans. Donc, on a déjà 500 millions qui sont aujourd'hui sur la table pour l'année 2021 et qui a vocation, si vous voulez, à changer un peu le quotidien de nos professionnels, notamment de nos soignants. Hein, c'est d'assurer, ce que j'aurais pu appeler tout à l'heure, effectivement, cet équipement, cet investissement courant d'équipement qui font le quotidien de nos professionnels, qui est visible immédiatement par nos professionnels dans leur quotidien professionnel. Donc ça, effectivement, on va l'avoir sur 5 ans, même si cette enveloppe-là va être dégressive, et elle a fait l'objet de concertations en région, puisqu'elle a été déclinée, effectivement, sur des enveloppes régionales, et ça sera un enjeu, là, cette régionalisation sera un enjeu qu'on évoquera tout à l'heure. Et on a cette deuxième enveloppe d'un milliard, qui, elle, participe également, alors c'est évoqué dans le cadre de la slide qui vous est présentée comme projet prioritaire. Ces projets prioritaires, en fait, ce sont des projets qui apportent une transformation ou des projets structurants pour l'offre de soins. C'est-à-dire qu'on va accompagner des projets, notamment, qui vont décloisonner les choses sur les territoires, qui vont apporter ce fameux lien ville-hôpital qu'on attend et qui était appelé des vœux des différents acteurs du Ségur de la santé, et qui va porter effectivement ces opérations. Alors, même ça reste des opérations immobilières responsables, puisqu'effectivement, il y a une transition écologique à gérer, ça fait partie effectivement des contraintes ou des conditions du financement, mais surtout hein, qui vont assurer cette transformation de l'offre de soins, son organisation de manière décloisonnée, notamment avec les professionnels de ville. Donc voilà un petit peu schématiquement le périmètre financier qui vous est proposé dans le cadre de ce plan de relance et sa partie Ségur, et qui fera l'objet tout à l'heure effectivement d'échanges sur sa gouvernance et sa déclinaison. Merci, Anne. Je te laisse, Nanda, vas-y. Quelle est votre lecture, Karim Amri, de ce déploiement du Ségur de la santé? Ce qu'a dit Bertrand est complètement exact. Hein. Il y a dissocié les deux volets. Mais j'aurais juste, si vous me permettez, Madame Nadif et Monsieur Stanislas, rappeler le contexte un peu de cet argent et vous dire, sans faire de mauvais jeu de mots, que cet argent ne tombe pas du ciel. Alors, il faut savoir que déjà, la loi de finances, programmation des finances publiques de 2018 à 2022, dans son article 26, avait prévu un grand plan d'investissement à hauteur de 57 milliards. Donc, l'ambition, entre guillemets, du gouvernement de miser sur de l'investissement public était déjà présente. Effectivement, ce Ségur, et surtout la crise Covid, surtout ça, parce que c'est la crise Covid qui a mis en exergue beaucoup de points d'achoppement et des problématiques importantes en matière de financement public. Il a été acté en août dernier, dans une loi qui s'appelle une loi de dette sociale, de lever 136 milliards d'euros. Et donc, ces 136 milliards d'euros consistent à prendre, je fais court et schématique, hein, à prendre en compte les trois prochaines années de déficit de l'assurance maladie. Quand on dit déficit de l'assurance maladie, on est beaucoup plus large que les hôpitaux. Hein. C'est perte de recettes des entreprises, etc. On est dans un contexte avec les quatre branches. Et donc, du coup, de faire porter à la CADES, à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, donc on est en plein dedans, ce nouvel emprunt, bon, heureusement sur des taux bas, voire négatifs, de le faire porter, l'extinction était prévue en 2024. Il y avait quasiment des vrais combats au niveau du Parlement pour dire on arrête de prendre de la dette sociale s'il n'y a pas des recettes en face. Et il a été fait exception à cette règle qui a été longuement, discutée et négociée entre parlementaires pour dire, cette fois-ci pour la crise, on lève un dernier emprunt de 136 milliards. Donc, notre dette sociale, je tiens à vous le dire, et je vais vous dire, alors, donc, elle est 30 milliards à peu près par année
pour le déficit de la science, on l'a dit. Et il y a ces fameux 19, 13 milliards, entre guillemets, parce qu'il y a 6,5 milliards que Bertrand vous a rappelé qui viennent de l'Europe. Donc un autre emprunt en sus. Et donc, ces 136 milliards d'euros visent effectivement à tenir compte de ce choc de la crise de Covid pour cette année, l'an passé, cette année et les prochains exercices, et également en profiter pour dire on va refinancer de l'investissement. Donc c'est ça cet argent, c'est pas autre chose, c'est de la dette. Et donc on est passé de 2024 à 2033 pour éteindre cette dette collective nationale. Donc ça, c'est important de le rappeler, c'est un effort collectif hein, qui vise à, effectivement à soutenir l'ensemble de l'assurance maladie, notre système, j'allais dire, de protection sociale. Et donc, sur cet aspect, effectivement, apport, juste compléter hein, et bien préciser les choses, c'est pas de la reprise de dette. L'intitulé exact, dorénavant, c'est de la restauration de capacités financières. Donc 6,5 milliards sur ces 19 milliards qui sont annoncés par tout le monde, 6,5 milliards consistent à restaurer des capacités financières. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, grosso modo, on a commencé à voir les règles arriver au niveau des établissements. C'est-à-dire qu'on prend une année de référence, en l'occurrence 2018. On dit en 2018, cet établissement était endetté, à savoir plus de 30% de dette. S'il avait effectivement aussi des capitaux propres qui étaient inférieurs à l'ensemble de ses produits, donc on fait compte d'une situation bilancielle dégradée, on lui attribuait, sur une règle de quote-part, 80% État, 25% un peu, grosso modo, ARS. On lui attribue chaque année, sous, bien sûr, en échange d'une contractualisation avec l'ARS, un montant qui vise effectivement à venir en soutien de cette situation dégradée. Donc ça, c'est nouveau. Il faut saluer l'effort parce que effectivement, ça va permettre à des établissements fortement dégradés de retrouver un peu de marge sur le titre 4, bon, dans le point de détail. Mais il faut reconnaître aussi, et je tiens à le dire, Monsieur Stanislas Nadif, c'est juste le retour de ce qui s'est passé depuis 2013, à savoir depuis la mise en place du Copermo, qui a vu effectivement cette dégradation de la situation, bien sûr, d'investissement des hôpitaux, mais de façon globale, de la situation bilancielle, excepté quelques hôpitaux et souvent de grande taille, ça c'est l'IGAS qui le dit. Et donc du coup, il faut savoir qu'entre 2003 et 2015, on a perdu plus de 60 000 lits d'hospitalisation. Alors c'est vrai qu'il y a des places d'ambulatoire qui ont été créées, mais on a surtout vu la situation en matière de trésorerie des établissements devenir de plus en plus critique. Et l'année 2018-2019, les années 2018, ont consacré pratiquement le plus d'aide en trésorerie sur l'ensemble des territoires au niveau des établissements. Donc, ce qui veut dire concrètement que sur le Copermo, et c'est pour ça qu'il était, on va dire, un peu destitué, hein, a permis de freiner l'investissement. Donc, effectivement, avec toutes les conséquences que Bertrand rappelait, que j'ai rappelées sur l'impact économique sur les tissus territoriaux. Donc, on a presque fait mourir quelques territoires, mais au demeurant, ça n'a pas eu l'impact escompté en matière de déficience sur l'exploitation ou parce que, effectivement, les hôpitaux, en tout cas pour le Tel-Blex, s'est dégradé. Donc, il faut reconnaître que cette restauration vient plutôt en compensation d'un mouvement qui était très dur ces dernières années que comme un vrai plus. Mais il faut saluer l'effort et on le prend pour ceux qui ont eu des situations dégradées. Alors, c'est vrai que des hôpitaux ne seront pas bénéficiaires, mais on l'a. Et donc, pour revenir sur les 9 milliards restants, il n'y a que 6 milliards 5, in fine, qui sont destinés à de l'investissement des établissements de santé. Attention, 6 milliards 5, public, privé et acteurs de ville. Donc, ce n'est plus comme Hôpital 2007 ou Hôpital numérique où c'était des plans hôpitaux. Là, on élargit l'assiette. Donc, on n'est plus sur 6 milliards spécifiques sur une assiette, on élargit. Donc, ça, c'est un sujet. Et 1,5 milliard d'investissements courants. Et les ARS se gardent 1 milliard. C'est prévu par la circulaire on va dire, en mode réserve. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais compléter sur la partie montant et origine du financement. Est-ce que dans l'assiette que vous avez proposée en matière d'investissement, au sens global, hein, pour à la fois le public et le privé, mais est-elle assez robuste et est-elle assez ambitieuse? Alors, naturellement, et en tant que directeur d'établissement, j'aurais tendance à vous dire, c'est jamais assez. C'est
jamais assez. Mais force est de reconnaître que, il était temps qu'il y ait un mouvement, on va dire, arrière qui s'opère. Donc, c'est ce qui est en train de se faire. On n'a pas encore tout détail, effectivement, de la, je veux dire, déclinaison opérationnelle de l'ensemble de ces crédits, mais force est de reconnaître que si on tient compte de l'ensemble des besoins et de la paupérisation de certaines structures, notamment publiques, sur certains territoires déjà en souffrance, hein, vous prenez la diagonale du vide, hein, et tous les établissements, beaucoup d'établissements sont dans cette diagonale, hein, en très grande souffrance, hein, et je parle même des tissus territoriaux, j'aurais tendance à vous dire que ce n'est qu'une étape. Il va falloir aller plus loin si on veut effectivement redynamiser certains territoires pour pouvoir effectivement remettre de l'emploi, de l'injection, ce que disait Bertrand, d'argent direct mais indirect. Hein. Les hôpitaux Grand Ouest, c'est quasiment aujourd'hui hein, 44, 3, pardon, 3,4 millions d'euros qui sont dépensés directement dans les structures. Mais quand vous voyez les dépenses indirectes, on est, je vous dis, sur 3 milliards 4. Donc 3 milliards 4 sur trois régions, c'est assez conséquent. Voilà. Donc c'est une bonne pompe d'amorçage, mais attention, les besoins sont nombreux. Merci infiniment, cher Karim, pour ces précisions. Alors, le temps passe, les questions sont posées. Alors, est-ce que Nada, on pourrait passer peut-être à la troisième et partie de ce webinaire consacré quand même à un échange un peu sur la mise en perspective, les enjeux et la prospective de l'établissement en santé? Je laisse la main, Nada. Voilà. On peut passer à la troisième partie, mais je pense qu'il est intéressant aussi de s'arrêter rapidement sur la gouvernance, parce que concrètement, comment ça se passe au niveau des territoires? Quelle différence entre COPERMO et CNIS, Oui. d'un point de vue plus concret et opérationnel? Tout à fait. Alors brièvement, parce que le temps, effectivement, nous échappe, c'est tellement passionnant que nous sommes amenés à détailler tous ces dispositifs. Bon, alors il faut reconnaître que cette circulaire est quand même assez innovante, où elle vient bousculer un peu, pour nous, hospitaliers, entre guillemets, nos schémas de pensée ou nos schémas de fonctionnement classique. Il a été acté d'ouvrir, et c'est vraiment là les conséquences hein, du Ségur, à savoir d'ouvrir au territoire, au sens large du terme, ces questions d'investissement. Donc, il a été acté la mise en place d'un conseil scientifique. Alors, ce conseil scientifique, présidé par un médecin, et ce n'est pas négligeable, vise effectivement à proposer, entre guillemets, des grilles de lecture, des outils qui vont permettre aux ARS notamment et au comité de pilotage national de se positionner sur les dossiers, sur la partie, bien sûr, intérêt du projet, des projets, mais également sur la partie toujours évaluation socio-économique, même si sur cette thématique, il y a a priori déjà un peu plus de lest, de largesse, pardon, comparativement à avant, où il fallait atteindre des taux de marge brute, des taux de CAF qui étaient quand même très ambitieux et qui freinaient beaucoup d'investissements. Donc, ce conseil scientifique, c'est nouveau. Il va venir un peu en interaction avec le Conseil national de l'investissement en santé, qui, lui, était un organe presque, j'aurais tendance à dire, politique, qui va être ouvert aux représentants des régions de France, des départements de France, des maires de France. Il y aura tous les représentants des fédérations hospitaliers, privées, FHF, FHP, FEAP, etc., Centre de lutte contre le cancer, et également des représentants de la mutualité, etc. Donc, c'est plutôt un organe, on va dire, un peu, j'allais dire, d'instance, presque de stratégie sur cet investissement en santé au niveau du territoire. Et bien sûr, il y a les fameux comités de pilotage. Donc, on avait le COPERMO. Maintenant, il est un peu scindé en trois. Il y a le comité, COPI, l'investissement hospitalier, que j'appelle un peu vulgairement, mais c'est un nom qui parle beaucoup. C'est le COPILO, comité de pilotage, hein, au lieu du COPERMO. Donc, ce comité de pilotage, c'est quasiment le même format que le COPERMO, à savoir les représentants des directions centrales, la direction de la sécurité sociale, du budget, même de l'outre-mer, quand il y a des projets outre-mer, et surtout chapeauté par ce qu'on appelle le SGPI. Le SGPI, c'est le secrétaire général pour l'investissement, qui est directement rattaché au Premier ministre et qui est en gros l'organe qui chapeaute l'investissement public dans notre pays. Donc, ça, c'est très important parce que c'est là où les décisions se font. Il y a le COPI, le médico-social, avec la CNSA et avec le fameux programme le PAI. Et enfin, le COPI, le Ségur numérique et la fameuse direction nationale numérique, de santé numérique, délégation, pardon, numérique, qui, elle, va se charger un peu de tous les projets numériques, tant sur le sanitaire que sur le médico-social. J'aurais tendance à juste à vous dire que la nouveauté aussi, et elle n'est pas négligeable, c'est que les ARS,
C'est un choix assez important du gouvernement. C'est que les ARS, qui ont comme été quelque part décriées un peu dans le cadre du Ségur, elles voient leur rôle renforcé en tant que maîtrise d'œuvre. Donc, le seuil dont elles disposaient avant la crise Covid dans le cadre du Comermo, c'était 50 millions d'euros. Elles pouvaient, entre guillemets, intervenir de leur propre chef sur une limite de 50 millions d'euros. Or, ce budget a été revu à hauteur de 150 millions d'euros. Donc, elles ont une plus grande délégation, en sachant quand même tout de même que beaucoup de projets dans ces montants sont soumis au comité de pilotage national pour vérification, supervision, etc. Donc, ce n'est pas une autonomie complète. La plus-value aussi, en tout cas, de ce dispositif, c'est que dans la circulaire, il a été acté que ce plan devait s'appuyer sur des compétences, de nouvelles compétences, donc avis à tous les experts financiers, chefs chargés de projet ingénieurs, qui pourront rejoindre les ARS et le conseil scientifique, parce qu'il y a besoin de compétences pour accompagner ce grand plan qui va s'appuyer principalement, et je clôturerai là mon propos, pour nous laisser le temps un peu d'échanger, sur ce qu'on appelle des schémas d'investissement territorial. Et la nouveauté, c'est que les élus locaux seront associés à la réflexion. Donc, presque l'innovation de ce dispositif investissement Ségur, c'est que maintenant, c'est un investissement multi-acteurs, multi-financement, avec la CNSA, l'assurance maladie, etc., et bien sûr, sur les territoires élargis. Donc, la vraie question, et qu'on va aborder, bien sûr, incessamment sous peu, c'est est-ce qu'on aura la capacité de pouvoir faire tout ça en peu de temps pour, effectivement, émarger sur ces crédits qui nous sont, soumis. Voilà. Merci infiniment, cher Karim, pour cette présentation visuelle de cette gouvernance rénovée. On serait très heureux d'entendre Bertrand Sommier pour savoir est-ce que cette gouvernance rénovée est-elle vraiment innovante et est-elle ambitieuse dans, les objectifs stratégiques portés, en tout cas annoncés. Et c'est toujours intéressant d'avoir le regard quand même des acteurs du secteur privé qui ont absolument besoin, évidemment, d'être mis en visibilité. Donc, est-ce que ce dispositif est à la hauteur des enjeux, cher Bertrand Soulier? Allez-y. Peut-être même pour compléter ta question, cher Jean-Luc, en quoi cette gouvernance rénovée va-t-elle favoriser les coopérations publiques et privées? Absolument, absolument. Bertrand, vous avez quelques minutes pour nous dire un petit peu votre point de vue. C'est un sujet sur lequel on pourrait passer beaucoup, beaucoup de temps, parce que vous aurez compris que la crise nous a quand même montré que on avait un système hospitalier qui était multiple et que face à des événements exceptionnels, seule la mobilisation de tous, je dis bien de tous, c'est-à-dire quand je dis tous, de la ville à l'ensemble des statuts et secteurs hospitaliers, était exigé pour pouvoir faire face à cette situation exceptionnelle. Et je crois qu'on peut se satisfaire, très honnêtement, et sans langue de bois, on peut se satisfaire, même s'il y a eu quelques couacs dans certaines régions, même s'il y a eu quelques couacs au démarrage, même si, je crois qu'on peut satisfaire que les coopérations publiques-privées, elles se sont trouvées, elles se sont naturellement trouvées. Bon. Et heureusement, mais je veux dire là, faut faire confiance à la nature humaine dans ces moments-là, on sait la résilience qu'on peut avoir. Bon. Cet aparté étant fait, et pour revenir plus précisément sur la question qui était la vôtre, il me semble qu'effectivement, et je comprends le propos de Karim Amri sur le fait qu'on est finalement que sur une restauration pour essayer de retrouver en fait un niveau qui aurait jamais dû être quitté à minima, c'est-à-dire sur une approche un peu planchée. Il me semble également qu'on a quand même ce gouvernement. Il faut le dire quand les choses se font correctement. Ce gouvernement a quand même marqué une rupture. Une rupture sur l'approche qui était celle du financement du système de santé, du financement effectivement de nos structures. Bien sûr quand on est aux affaires et quand on est effectivement notamment sur les établissements, bien sûr qu'effectivement on sera toujours en besoin de financement. Bon, maintenant on a une responsabilité. Très honnêtement, on est en responsabilité aujourd'hui. On est en responsabilité pour que l'usage des fonds publics ait été fait, nonobstant le fait que ça sera qu'un commencement, qu'un début,
Donc, il va falloir re-réfléchir le système de santé, que d'ailleurs ça a commencé, hein, l'HCAM s'en est saisi, d'autres organismes s'en sont saisis, pour essayer de redéfinir le cadre, hein, financier dans lequel ça s'inscrit. Mais nous, acteurs, on est en responsabilité. Et notre responsabilité, c'est que l'offre hospitalière d'hier ne soit pas celle de demain, qu'elle prenne acte collectivement, que nous prenions acte collectivement des évolutions qu'on doit apporter à nos offres et l'ouverture qui doit être la nôtre sur les différents acteurs. Mon point de vigilance, une fois que j'ai dit ça, mon point de vigilance tient effectivement à cette gouvernance que Karine Lamry a rappelée. Vous avez bien compris qu'au décours du Ségur, il y a eu, le gouvernement a entendu un message qui est de dire on veut que les décisions en santé se prennent au plus près des territoires. Donc, la traduction d'un pouvoir régalien, hein, c'est effectivement une traduction un peu déconcentrée. Bon, on voit bien que ça a bougé hein, sur les lignes entre collectivités territoriales, les ARS, la composition des ARS, et ça va bouger. Pour autant, je referai juste une petite parenthèse par rapport à ça. Quand même, la gouvernance territoriale et la notion de territoriale est quand même la grande absente du post-Ségur. Hein. Aujourd'hui, la notion de territoire, on ne l'a toujours pas définie, et la gouvernance qui était attachée, encore moins. Donc, ça, c'est un point pour nous de vraie vigilance, parce que, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que les ARS sont effectivement sont affaires. Les ARS sont en responsabilité sur des seuils qui ont été rappelés, effectivement, qui ont quand même été largement upgradés. Va se poser la question du positionnement des ARS. Hein. Nous, côté FHP, en tout cas, c'est clair que. Quand beaucoup ont tiré à boulets rouges sur les ARS, on les a systématiquement défendus parce qu'on avait besoin de ce pilote, on avait besoin de ce référent en région pour organiser l'offre de soins en période exceptionnelle. Bon. Après, on peut avoir des jugements a posteriori, hein, le match, on peut toujours le faire après. Pour autant, on a eu besoin de ce pilotage-là et de s'appuyer sur elle. Bon. Et je vous dis ça alors même que je vous ai aussi rappelé qu'on a eu quelques territoires où ça a pu achopper sur l'engagement du privé et sur la reconnaissance du privé. Maintenant, il faut les outiller, ces agences, hein, quelle que soit effectivement leur forme et leur gouvernance, in fine, il faut pouvoir les outiller pour répondre aux nouvelles orientations, aux nouveaux enjeux qui sont. C'est là où on a une responsabilité collective. Moi, mon seul point de vigilance, c'est que, compte tenu effectivement du calendrier, hein, qui est à la fois un calendrier souhaité par le Ségur et souhaité par le plan de relance, c'est-à-dire qu'il soit rapide, je pense qu'il y a un calendrier qui plus est électoral derrière. On peut, qui est tout à fait légitime, hein, là-dessus, pas de jugement de valeur de ma part. Je ne voudrais pas, si vous voulez, que ce plan, qui est un vrai facteur d'opportunité, hein, redevienne effectivement un véhicule qui soit technocrate. Voilà. J'ai lâché le mot. J'ai la crainte, si vous voulez, que, en fait, on reprenne nos réflexes, et je pense que je peux en faire partie assez légitimement, c'est-à-dire qu'on ait un réflexe qui soit un réflexe très descendant, quand l'appel des acteurs était un réflexe de changer le prisme pour devenir ascendant, partant des besoins des territoires qui vont venir abonder des PRS, en tout cas effectivement de planification régionale. Certes, il peut y avoir des programmations, en tout cas des plans nationaux et des orientations nationales, mais attention effectivement à ce qu'on ne vienne pas prendre dans la dynamique qui était celle du Ségur, par facilité ou par urgence ou par habitude, malheureusement par habitude, quelque chose qui soit à nouveau complètement descendant et déconnecté des réalités et des besoins de terrain. Donc, juste en guise de phrase de conclusion, donc on a cette responsabilité pour que les projets structurants, les projets de restructuration qui vont être faits sur les territoires, soient vraiment des projets qui emportent l'écosystème sur son territoire. En faisant voler en éclats, effectivement, les statuts ou les positionnements ou les champs d'activité entre social, médico-social, sanitaire, et qu'on appréhende vraiment le besoin des populations au plus près des territoires. Merci infiniment Bertrand Sommier et Karim Amri pour vos précisions et vraiment votre effort vraiment d'approche, de proposer une approche didactique pour que tout le monde puisse comprendre. Et d'ailleurs, ça se traduit tout à fait concrètement par des remarques, des observations, des questions qui sont posées. Alors, Nada, peut-être qu'on pourrait se faire l'interprète de quelques questions qui ont été posées. Je te laisse la main, justement. Absolument. Alors, nous avons réussi à synthétiser les questions, à les regrouper en famille. Alors, la question qui revenait souvent, c'est quel sera l'impact de ce nouveau Ségur investissement sur l'organisation au sein des établissements de santé, de leur autonomie et quelles ressources on pourrait mettre à disposition pour les accompagner?
Si je me... Ouais, si je me permets, Oui, merci. Fabrice, voilà. Bon, bah, il faut aussi rappeler que ce plan vise aussi à faire le lien avec l'ancien plan qui avait été arrêté par le gouvernement dès son arrivée, à savoir le plan Ma Santé 2022. Donc, ce Ségur vise aussi à faire le lien très fort avec Ma Santé 2022. Et Ma Santé 2022, c'est quoi, en quelques mots? C'est une poursuite un peu hein, de ce qui s'est fait dans les années précédentes, avec une baisse, entre guillemets, du capacitaire, avec beaucoup plus de flexibilité, et surtout beaucoup plus de liens avec des acteurs du territoire pour aller vers une graduation des soins. Donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller vers une organisation qui vise effectivement à organiser via les CPTS, les comités professionnels du territoire de santé, donc le premier recours, entre guillemets, la médecine de ville au sens large, pour effectivement, après, reconstituer une gradation des soins, hôpitaux de référence et bien sûr CHU, ou quand je dis hôpitaux de référence, ça peut être aussi les cliniques, hein, c'est pas partial ce que je dis. Et donc, comment on va arriver à modifier ces organisations? Bah, il faut déjà qu'on soit au clair sur le projet hein, qui est présenté par le gouvernement. Et bien sûr, ce que disait Bertrand, il faut que aussi les ARS puissent nous proposer une gouvernance nouvelle qui vise effectivement à nous inscrire dans un renouveau dans les fonctionnements hospitaliers, privés, etc. Mais là, il faut tout construire. Alors, excusez-nous d'être aussi attentifs sur l'actualité politique du moment, donc avec, comme vous le savez, un calendrier quand même assez contraint, puisque les élections auront lieu donc l'année prochaine. Donc, quel est votre regard prospectif, justement, hein, donc à l'aune justement de cette nouvelle gouvernance qui concernant les investissements publics-privés, hein, qui est tout à fait actuelle. Comment vous voyez, je dirais, est-ce que les ambitions qui sont affirmées aujourd'hui seront traduites dans les faits, je dirais, au lendemain des prochaines élections? Est-ce que vous avez un regard? Alors, c'est une question qui est un petit peu orientée, hein, donc plutôt pour Bertrand Sommier. Voilà, quel serait votre regard, je dirais, objectif sur ce contexte? Mon regard objectif, c'est, je vais vous répondre par une boutade, hein, bien malin, celui effectivement qui nous dira si on va réussir la transformation. Encore une fois, il y a un point de vigilance. Il y a un point de vigilance, effectivement, de télescopage entre des calendriers et elles vont peut-être faire vite, et puis les fondamentaux qu'on doit poser sur ce sujet. Enfin, moi, je vais prendre deux choses, hein, deux éléments. Qui vont être assez concrets, peut-être un peu disruptifs, et je prie m'en excuser. Hein. Et si on faisait confiance aux acteurs? Et si un jour, on s'accordait le droit de faire confiance aux acteurs? C'est faire confiance aux acteurs pour construire ou co-construire sur les territoires l'offre de soins telle qu'elle doit être en regard d'une situation épidémiologique, une situation de précarité, une situation sociale. Et si on faisait ce pari fou-là? Ça, c'est la première question. Et ça, c'est vrai, pour le coup. Bah, ça demande un peu de temps. C'est un courage politique fort. C'est aussi une combinaison, hein, un alignement des planètes, comme diraient certains, entre le pouvoir déconcentré et décentralisé, le pari fou de mettre des usagers dans le dispositif, le pari fou de mettre des hospitaliers avec des libéraux. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, fait partie des fondamentaux. Et du pari qui doit être le nôtre. Et c'est en ça qu'on a une responsabilité collective par rapport à ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Construisons ce qu'on a appelé, nous, dans le cadre du Ségur, qui a fait l'objet l'essentiel de nos propositions dans le cadre du Ségur, mais également dans les dispositifs législatifs, propositions de loi ou projets de loi qui ont été portés au Parlement en début d'année, hein, pour lequel, bon, je ne cacherai pas qu'on a eu une petite déception, c'est cette construction de la démocratie territoriale de santé. C'est celui-là qui nous manque aujourd'hui. C'est un lieu où les acteurs se parlent. C'est un lieu où, quand je dis des acteurs au sens générique du terme, les parties prenantes, si on doit reprendre un terme de RSE, qui soient appelées sur un lieu d'échange avec des priorités. Peut-être qu'effectivement, il faut marcher, faut y aller step by step avec des sujets qui sont consensuels. C'est l'accessibilité, c'est la précarité, c'est la gestion de crise. Et pourquoi pas la gestion de crise? Peut-être qu'effectivement, il faut cranter ces choses-là sur les territoires et puis s'autoriser petit à petit, en se faisant confiance, en se connaissant,
de pouvoir construire des choses qui sont bien plus ambitieuses. Et c'est vrai que là, ce que je viens de vous dire, c'est à la fois, ça peut être très court, c'est effectivement quelque chose qui va descendre, mais il faut que les acteurs se l'approprient. Donc, effectivement, on a potentiellement un risque et on a peut-être potentiellement un risque, effectivement, on ait des effets calendriers qui soient courts par rapport à la construction, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on se saisisse de cette opportunité-là pour justement redessiner ce que devrait être la santé en France et sans avoir de position sur décentralisation, déconcentration. C'est juste déjà, construisons cet espace qui permettra de construire la santé de demain. À mon avis, c'est le vrai enjeu, le véritable enjeu, avant effectivement de prendre du boule de cristal et de dire que voilà, on va y arriver ou pas. Ce qui serait dommage, c'est qu'effectivement, ça soit un énième plan qui vienne finalement consolider des façons de penser et que l'on se retrouve dans 4 ou 5 ans avec les mêmes questions, pour reprendre les mêmes plans, pour financer les mêmes choses. Voilà, ce serait peut-être un petit peu dommage, mais moi j'y crois. Fondamentalement, de ce que j'ai pu entendre, j'ai eu la chance effectivement de suivre les différentes réunions du Ségur, et ce que j'ai entendu des différents acteurs était quand même relativement convergent. Merci infiniment, cher Bertrand, pour votre clarté, votre réserve et puis votre juste mesure hein, qui est importante. Alors, on va arriver effectivement à la fin de ce. On approche de la fin de ce webinaire. Alors, ce qui est convergent aujourd'hui, c'est peut-être le lendemain proche, en tout cas espéré, de la crise sanitaire. Voilà, le lendemain de la crise sanitaire, c'est-à-dire retrouver peut-être, je dirais, un périmètre, je dirais, de fonctionnement, je dirais, normal et ordinaire de notre système de l'offre de soins. Voilà, donc c'est quand même un enjeu important. Bon, le calendrier électoral, vous avez déjà évoqué la question, mais est-ce que de façon raisonnable, donc c'est une question qui s'adresse à la fois à Bertrand, mais peut-être à Karim qui va peut-être pouvoir, je dirais, apporter un mot de mise en perspective. Est-ce que cette convergence du lendemain de la crise sanitaire, assortie évidemment de ces ambitions, en tous les cas de nouvelle gouvernance, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que nous, on est sur le bon chemin, cher Karim, sur le chemin effectivement de la lecture que vous en avez? Alors, je ne veux pas vous répondre par l'affirmative, mais force est de reconnaître que des choses, comme l'a rappelé Bertrand, ont été entendues au niveau du Ségur. Si on a associé les élus dans le cadre du CNIS, c'est aussi pour répondre à leur demande d'avoir été un peu écartés suite à la loi HPST des fameux conseils d'administration. Donc, les élus étaient en demande aussi de participer un peu plus à la vie publique de santé que ce qu'elle l'était il y a quelques mois encore. Donc ça, c'est peut-être, à mon avis, un bon pas parce que la démocratie participative territoriale se met en place. Pour nous, hospitaliers, on ne va pas dire que ces apports financiers ne sont pas un signal envoyé. Vous dire qu'ils sont complets, comme on l'a dit, qu'ils sont complètement, qu'ils répondent à tous les besoins, il y a encore des discussions, je pense, à avoir. Mais on va dans le bon sens. Après, pour répondre à votre question, c'est vrai que les échéances politiques ne correspondent pas au temps des réformes structurelles, surtout sur des aspects aussi impactants, comme on l'a dit, hein, sur la santé, etc. La vraie question, c'est quel sens on veut donner au système de santé dans le pays? C'est ça la vraie question. Et donc, ces mesures-là vont dans un sens. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour aller vers un nouveau sens? C'est une question qui doit se poser presque, vous l'avez dit, à l'échéance d'une élection assez importante au niveau national. Voilà. Alors, comme vous écrivez régulièrement, cher Karim Amri, justement, sur ce qui se rapporte quand même, je dirais, à la stratégie financière, donc Nada l'a rappelé, hein, donc sur vos nombreux articles que vous avez publiés, est-ce que, puisque vous avez toujours un temps d'avance, en tous les cas, en matière de réflexion, alors imaginons quelques mots comme ça, donc ça s'adresse à la fois à vous, Karim, mais aussi à Bertrand. Allez, l'étape d'après, pour rester constructif, efficient et performant, donc on reste toujours sur notre ligne. Je dirais des opérations d'investissement financier pour, je dirais, donner une note, je dirais, très stratégique. Ce serait quoi, en quelques mots? Alors, en quelques mots, on ne peut pas avoir ces questions, on ne peut les regarder que du seul prisme financier. Il nous faut nous poser des vraies questions, comme d'ailleurs l'IGAS nous l'a rappelé, sur la question des GHT. Que fait-on des GHT pour qu'on puisse effectivement être beaucoup plus efficient? Parce qu'il y a beaucoup de critiques, hein, notamment de l'IGAS sur les GHT, sur Naturellement. le fonctionnement, les achats, etc. Donc, les GHT,
Est-ce qu'on ne doit pas aller vers la création d'un établissement public de santé de coopération hospitalière qui viserait effectivement à arrêter ces notions d'établissement support et de son parti pour pouvoir donner du sens à tous ces ensembles? La question de la gouvernance, même si la loi RIST du 26 avril dernier remet un peu les médecins en gouvernance, etc., elle manifestement, elle ne convient pas à tout le monde. Il y a encore des questions sur les services et les pôles. La question effectivement de l'organisation territoriale. Qu'est-ce qu'un premier recours? Qu'est-ce qu'un second recours? Et comment on fait pour que les gens se parlent effectivement d'une logique effectivement, de complémentarité, comme le disait Bertrand. Donc, je pense que on ne passera pas, on ne fera pas l'économie d'une grande réflexion encore sur la partie système de santé à court et moyen terme. Mais sinon, effectivement, nous allons dans le bon sens, mais encore faut-il qu'il y ait quelques ingrédients très stratégiques, structurels, qui se mettent en place. C'est excellent. Merci beaucoup, cher Karim Amri. Donc, Nada, je te redonne la parole peut-être pour apporter en tout cas les éléments de conclusion en proposant peut-être effectivement à Bertrand, voilà, donc s'il le souhaite, hein, un mot complémentaire de conclusion. Mais je te redonne la main, cher Nada. Exactement, mais quelle est votre vision? C'est vrai que ce sont des mots très très forts qui résument ce qui a été dit et qui donnent aussi une note d'espoir parce qu'il faut savoir se projeter, il faut que l'ensemble des acteurs puissent être impliqués, qu'ils soient médecins ou qu'ils soient professionnels de santé ou managers. Et c'est ça aussi qu'on attend, c'est ce fameux binôme. Directeur et médecin, manager et soignant. Quelle est votre vision, Bertrand, pour conclure, pour voilà, donner un élan? L'élan, il est là. Hein. Je crois qu'il faut là-dessus le signal est fort hein, quand même. Le signal est fort. Alors nous, je ne cacherai pas qu'on est particulièrement vigilants parce que bon, secteur privé nourrit quelques croyances qui s'estompent les unes derrière les autres au gré effectivement de nos échanges avec Cour des comptes, IGAS ou autres hein, sur la réalité d'un fonctionnement d'une clinique privée. Avec tous les fantasmes hein, qui peuvent être nourris autour de ces fonctionnements-là. Bon, ça ferait l'objet de longues discussions. Bon. Moi, voilà, le point d'attention pour qu'on garde cet élan-là, c'est qu'on écoute les professionnels. C'est-à-dire que les professionnels au sens médecin, soignant, les équipes, mais également leurs dirigeants, leurs directeurs, et que l'on puisse effectivement autonomiser les acteurs. Et en premier lieu, les hôpitaux publics, je vais dire effectivement, donnons-leur l'autonomie, effectivement, de pouvoir vivre leur vie. Quand je dis ça, qu'est-ce que je suis en train de dire? Décorrélons, effectivement, cette tutelle ARS qui pèse aujourd'hui sur les établissements publics, qui nous pose des difficultés parce qu'on a des positionnements privés par rapport à ça, qui forcément met des conflits d'intérêts. Je pense que cette gouvernance-là qu'il faut reprendre pour reprendre la main sur le projet territorial. Encore une fois, moi, si je dois avoir vraiment un maître mot aujourd'hui, c'est qu'il faut construire cette démocratie territoriale. Si on ne prend pas ce temps-là, on pourra faire réforme sur réforme sur réforme. On va régler effectivement les problématiques des cliniques privées, des hôpitaux publics, dans leur gouvernance, dans leurs organisations internes. Mais on n'a pas, on pourra pas parler du vrai sujet. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment j'organise l'offre de soins sur le territoire. Commençons par définir le territoire. Il y a de son, effectivement, un mode de gouvernance moderne. Attention au sujet de la donnée. Ça, on a un vrai sujet chez nous, c'est qu'aujourd'hui, on a un déficit de données en santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de décisions sont prises, je vais dire, à l'aveugle, avec une donnée qui était insuffisante, pas homogénéisée, et qui pose effectivement, et on s'en est rendu compte en période de crise, que ce déficit de données était un vrai problème de gouvernance. Et puis, travaillons effectivement avec les acteurs d'un territoire pour un projet commun, un projet commun, un projet territorial de santé commun. Et là, je pense qu'on aura fait tomber effectivement aujourd'hui tous les freins qui sont aujourd'hui, posent une difficulté dans les orientations qui sont les nôtres, dans un cadre, de toute façon, que j'ai rappelé en préambule, qui est un cadre régulé et qui restera régulé. Donc, je rassure tout le monde, hein, l'idée n'est effectivement pas de partir sur des choses qui soient complètement libérales, puisque le cadre est là et il est régulé. Donc, autorisons-nous, dans ce cadre régulé, d'avoir des approches innovantes. C'est vraiment parfait. Enfin, pendant que vous étiez en train de parler, Karim Amri et Bertrand Sommier, nous avons les commentaires de nos participants qui tiennent à saluer le pragmatisme, la sincérité, non pas des comptes publics et privés, mais du propos qui était, que vous avez pu tenir pour vraiment décrire, faire un 360 de la situation actuelle,
des enjeux, de la stratégie et surtout de la mise en perspective pour donner du sens à l'action commune pour un meilleur système de l'offre de soins. Donc, merci et bravo à vous, en tous les cas, pour avoir donné, c'était l'enjeu, hein, qui est un enjeu qui est réussi au vu des commentaires, puisque vous avez donné une lecture très claire sur la question de l'offre de soins, sur la question de la démocratie sanitaire, de la nécessité de proposer une gouvernance moderniser sur le système de l'investissement financier, sur donner de l'exhaustivité aussi sur le recueil de la donnée, puisque vous avez voilà, beaucoup insisté là-dessus, améliorer la coordination interprofessionnelle dans des logiques de territoire pour justement essayer d'appréhender, en tous les cas, un projet commun. Donc, vous avez tous les deux, en tous les cas, à donner une lecture suffisamment claire et explicite qui ont apporté la démonstration que de grands spécialistes de la finance sont tout à fait en phase de donner une déclinaison stratégique, politique, raisonnée et je dirais prospective sur ce qui se dessine aujourd'hui, en tous les cas dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Un grand bravo, en tous les cas, Bertrand Sommier et Karim Amri, sur la clarté de votre propos et la mise en visibilité, la mise en exergue, je dirais, de ce qui se dessinera, en tous les cas, pour les prochaines années. Donc, j'ai envie de dire, effectivement, donc, vous avez tenu votre pari à la fois dans la présentation très synthétique et très percutante et performante. Merci et merci infiniment. Là, je te laisse reprendre la main. Performante et pertinente, parce que à travers votre présentation, vous avez répondu à une grande partie des questions qui nous ont été posées, et donc pour ça, un grand merci. Et en complément de la synthèse de Jean-Luc, on n'oublie pas le décloisonnement. C'est vrai que c'est un point qui est très important, et la co-création pour valoriser le savoir-faire et l'expertise des acteurs de terrain. Donc, on est vraiment sur un raisonnement bottom-up. Ce qu'a confirmé la crise Covid. Encore une fois, merci d'avoir réussi ce challenge de répondre à nos questions pendant une heure avec beaucoup de clarté. Merci d'avoir été disponibles tous les deux. Merci à l'ensemble des participants. Et comme le veut la tradition, je vous laisserai le mot de la conclusion à l'un et à l'autre. Karim Amri et ensuite Bertrand Sommier, s'il vous plaît. Écoutez, déjà, un grand merci à vous deux hein, pour l'organisation de ce webinaire très bien rodé, parfait, très pro. Donc, merci à vous de nous donner la possibilité de nous exprimer sur des sujets techniques qui sont complexes hein, pour tout le monde, y compris pour nous-mêmes. Merci aussi à Bertrand de s'être prêté aussi à ce jeu, d'avoir une vision un peu croisée des enjeux. Donc, je ne saurais comment vous remercier à nouveau pour ces temps d'échange très importants. Et juste un petit mot de conclusion, c'est dire que les structures de santé constituent, j'aime à le rappeler, le deuxième pied, entre guillemets, d'un corps avec l'éducation. Et ce sont des enjeux très importants pour notre population et qui sont effectivement, qui méritent, comme l'a rappelé Bertrand, responsabilité, mais également... Du courage pour se projeter dans l'avant. Donc, merci et il faut continuer en ce sens et à très bientôt, j'espère. Avec plaisir. Bertrand Sommier. Oui, merci, effectivement. Mais on saura vous dire merci, hein, Karim. On trouvera bien les moyens, effectivement, de vous remercier de ce temps-là parce que vous aurez compris que ce sont des sujets qui nous passionnent, ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Et puis, tout particulièrement dans cette période où on a été... éprouvé, hein, mais ça vous le savez tous, éprouvé. Donc, moi, je n'ai pas envie d'aller plus loin aujourd'hui sur la thématique d'investissement, je suis pensé à tous ceux qui sont engagés sur le terrain pendant ces derniers mois. Voilà. Excellente conclusion, cher Bertrand, cher Karim. En tous les cas, voilà, nous étions en train de lire les commentaires des participants qui vous félicitent, hein, qui vous disent un grand bravo hein, pour la clarté de votre propos. En tous les cas, pour nous, ça montre bien que la question des logiques financières, donc au-delà d'intéresser évidemment le grand public et les personnes initiées, en tout cas c'est un véritable sujet qui mériterait d'être encore plus démocratisé. Donc nous sommes convaincus de l'intérêt de cette thématique et je pense que Nada probablement rejoindra notre ambition, c'est-à-dire aussi de donner une place quelque part auprès des experts justement en charge de la question épineuse des finances, avec un regard, je dirais,
je dirais, très, très, très ouvert, en tous les cas, centré sur l'intérêt général et avec une véritable réflexion sur la stratégie, qu'est-ce que cela peut apporter auprès de notre système de l'offre de soins. Donc voilà, donc vous nous avez donné envie, y compris pour les participants, eh bien de renouveler en tous les cas cette invitation, hein, pour aborder la question de l'investissement financier avec un regard extrêmement précis, très, très, très soutenu, mais en même temps extrêmement éclairante, en tous les cas pour la communauté des acteurs de santé, qu'on n'oublie pas évidemment, Bertrand, vous avez parfaitement raison de souligner, je dirais, le niveau d'engagement de tous les acteurs de santé qui prennent, je dirais, en compte la valeur, en tout cas, du denier public au service, effectivement, des soins auprès de notre patientèle. Donc, très important, Je m'associe bien sûr effectivement. pour, à cette pensée pour tous les hospitaliers qui ont bien tenu pendant ces crises. Bravo à eux. Complètement. Ben encore merci. Bravo à l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient dans le secteur public, ou privé. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Merci à nos, invités d'exception. Je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien et à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. À très bientôt et merci infiniment.